Bonjour à tous, suite au sondage de l'onglet communauté du mois dernier, je vous présente aujourd'hui la première vidéo d'une série matérielle et technique sur les outils autour du cuir et leurs utilisations. Pour la première vidéo de cette série, nous allons aborder un élément indispensable pour la finition d'une pièce, à savoir le travail des tranches. Dans la démonstration qui va suivre, je vais nommer et vous présenter chaque outil et la manière de les utiliser. Il existe d'autres manières de faire, c'est ma méthode, à vous de trouver celle qui vous plaira. Avant tout, assurez-vous que votre outil est bien affûté. Ensuite, appliquez-le pour casser l'angle à 45 degrés et inclinez-le, selon votre abat carré, d'un angle variant entre 20 et 40 degrés. Retournez ensuite la pièce et procédez de la même manière sur l'autre côté. Appliquez ensuite les éponges abrasives du grain le plus gros au grain le plus fin afin de lisser la tranche. Vient ensuite les produits de finition. Ici, du toconolé ou de la gomme arabique fera tout aussi bien l'affaire, que l'on applique délicatement par point, puis que l'on fait pénétrer légèrement sur le dessus de la tranche. Une fois cela fait, on enlève l'excès et on peut passer le brunissoir, qui va permettre de plaquer les fibres du cuir les unes aux autres. Voilà, après un certain temps et un peu d'huile de coude, vous avez une tranche parfaitement lisse. Maintenant, vous pouvez aussi appliquer une teinture de tranche. Ici, une teinture noire. Vous pouvez passer avec un applicateur, apposant délicatement tout le long en essayant de ne pas trop déborder. Laissez sécher, puis appliquez une légère fine couche de toconolé ou de gomme arabique. Passez un peu le brunissoir dessus pour rendre le brillant, plaquer les fibres et avoir un rendu impeccable. Le fer à filer, quant à lui, va vous permettre de marquer à chaud le cuir d'une ligne parallèle au bord. Et voilà une magnifique finition digne des plus grands couturiers. À vous de jouer! Voilà, j'espère que vous vous coucherez moins bête. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne évidemment. Si vous avez une question technique, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci au soutien Tipeee qui participe activement à ma création de contenu. Et si comme eux, vous voulez m'aider dans mon travail, dans ma création de projet, vous trouverez dans la description un lien vers ma page Tipeee. C'est maintenant la fin de cette vidéo, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.